Et salut à tous les gars, c'est Axe. On se retrouve donc pour le Tour de France, toujours en compagnie de la Katusha sur l'étape qui nous fait de qui va de Carcassonne à Montpellier, une étape de 164 km. Ouais, je suis bon. Avec une échappée composée de 5 coureurs: Jérôme Cousin, Jules Jensen, les premières échappées sur un Tour de France: Gremay, Cohen et Wagner. Bon, il y a des lâchés, hein. Martin Burgaard qui a bien travaillé pour essayer que TJ Van Garderen rentre. Il y a un abandon du coureur érythréen de la formation Dimension Data en la personne de Nathanael Bérard, qui était là pour jouer des victoires d'étape, certainement, le coureur éthiopien. J'ai changé mes options graphiques, j'ai l'impression que mon jeu est dégueulasse. C'est vu que l'étape buggée à cause de la végétation. Donc en vert, vous avez donc les 10 premiers du classement meilleur sprinter. Zada, il est cramé. En brigade, il va pouvoir. J'espère que Zacharine, il va pouvoir faire. Hop là. Donc, premier à rouler. Notre ami Vicioso, deuxième position. Hop. Je sais pas qui fait rouler. Ah, on va avoir un petit train de sprint à froid, donc on va devoir bien négliger Michael Markov. Quoi qu'il y a Guarneri, je vais le faire rouler au départ. On va essayer de gérer comme on peut notre train de sprint. Voilà, 60. Je sais pas combien il avait en sprint. En roulet, en plat, il a. Voilà, ça va être pour remonter. Hop. On se décale un peu, Garnier. C'est parti. Donc, notre train est composé de Garnier. Vicioso, Morkov et donc Alexander Christophe. Je crois qu'on se prend le vent en pleine poire. Non. Donc les gars, peut-être un petit petite vidéo des coureurs. Donc je vais voir cette étape. Je serai aux environs de 30 km de l'arrivée. Dans un petit village, bien sûr. Demain aussi vidéo IRL parce que je vais voir le dé après-demain. Vu que j'irai voir le départ, donc en espérant choper les coureurs et tout. Hop là. Guarneri, son travail, il va pouvoir être fini. Voilà, c'était la petite info. Et après, je vous dirai en temps voulu. En temps voulu, quand est-ce que je vais dans les Alpes et pour quelle étape. Restez bien à l'écoute, hein. Que j'ai à vous dire. Allez, Vicioso, il faut bien emmener. Il faut bien emmener, gamin. John Degenkolb, il est tout seul. Il a plus qu'un seul équipier, John Degenkolb. Ouais, si on revient pas sur lui, par contre. Hop là. 90, Vicioso. Allez, allez, allez. Allez, mon petit, on est arrivé dans les routes. Dans les rues de Montpellier. On va arriver devant le stade de rugby du MHR à l'Altra Stadium. Petite montée. Bon, Christophe qui passe très bien les bosses. Hop là. C'est parti. Allez, Vicioso. Ça grimpe un peu, hein. 5%, 6% quand même. Ça va faire le ménage derrière. Christophe qui est obligé d'accélérer un peu. Et merde. Morkov qui va. Oh, ça a dû faire mal à tout le monde quand même. J'espère, hein. Il y a intérêt. Hop là. Ça va être parti pour l'emballage. Voilà, sprint, Vicioso. Morkov qui va pouvoir lancer son sprint à son tour. Alexander Christophe qui est parti. Greipel qui est parti de loin. Le coureur allemand. Ouh, Peter Sagan très fort. Hop. Putain, on s'est fait bloquer par Greipel. On va pas les gagner. On va pas les gagner. Victoire du l'allemand. John Degenkolb. On va venir faire deux. On va venir faire deux, à moins que Matthews. Non, Michael Matthews. Non, on finit deuxième.
Hop là. Sprinter. J'ai plus personne dans le peloton. Ah, plutôt. Donc on va venir faire deux juste devant John de Gelcol. C'est pas mal. Demain donc on aura l'étape qui ira jusqu'au Mont Ventoux, de Montpellier jusqu'au Mont Ventoux. J'espère que cette étape vous aura plu. Bon, de déçu un peu de pas avoir gagné, on va dire. Bon, mais bon, c'est. Je me suis fait bloquer par Greipel. Si c'est, je me fais pas bloquer, je peux aller taper une victoire parce que il n'avait pas fini son effort. Single dame qui a pas pu emmener John Degenkolb, hein. Qui a bien sauté dans la roue de la route Greipel, hein. Greipel qui a lancé son sprint de loin, bizarre. En conclusion, il finit cinquième. Nous, on gagne un peu plus de points face à Peter Sagan, mais est-ce que John de Gelkolb va pas revenir? Donc, on va voir le podium. On va voir, on revient. Je me demande si on revient pas très. Très. Ouais, il nous met quand même 2-3 bons vélos. Ça dégaine comme maillot jaune, ça ne changera rien. On a toujours 23 secondes, hein, le tour qui est vraiment serré comme IRL. Contador maillot blanc, ah, pas rouge. Bon, on reprend 30 points d'avance par rapport à Peter Sagan. Je pense que demain je vais envoyer Christophe dans l'échappée. Hein. Bon. J'en ai Philippe, rien ne bouge. Donc, je vous dis ciao. Je vous dis ciao à la prochaine, c'était Axe.